Chase, pourquoi tu nous as appelés aujourd'hui? Je me sens seule et mon ami Marcus s'est fait capturer. Quoi? Ton ami Marcus s'est fait capturer? Mais et comment? Oui. Il était dehors, il a marché et tout, et puis là, il s'est fait capturer. Et tu sais c'est qui le ravisseur? Je pense que oui, viens voir. Si j'étais partie voir sur Internet, je pense que c'est lui. Ce mec-là? Ce monsieur-là. Attends, mais j'ai l'impression qu'il me fait penser à quelqu'un. Enzo, viens voir. Hein? Hein? J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce visage quelque part, non? Bah, c'est car c'est le monsieur que tout le monde connaît, c'est Jake. C'est Jake ça? Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes, Jake, il a pas de lunettes. Ah, bah c'est un fan de Jake. Bah, ouais, possible, enfin, je sais pas, mais... Juste une question. Mais en tout cas, comme ça, il est beau gosse, hein. Ouais, c'est vrai. Juste une question. Ouais, dis-moi. Jake, il avait pas d'autres skins sur Subway Surfer? Ah si, c'est possible! Du coup, tu penses que c'est Jake? Je pense que oui, enfin, genre il ressemblait vraiment comme ça, hein. Oh, les amis, vous avez entendu? Apparemment, Jake aurait capturé Marcus, le personnage de la Pat' Patrouille, et du coup, il va falloir le libérer. Et si vous voulez qu'il soit toujours en vie, abonnez-vous à la chaîne et mettez un gros pouce bleu sous la vidéo. Et c'est parti, on part à sa recherche du coup. Et Oui. c'est parti. Tu sais à peu près où il s'est fait capturer ou pas? Viens voir, c'est en bas. Ok, ça s'est passé en bas. Bon bah nickel. Allez, on va le suivre, on descend, let's go. Eh ben, c'est compliqué de descendre en bas, hein. Faudrait mieux mettre un ascenseur, hein. Ouais, je pense que ça serait beaucoup mieux. D'ailleurs, les amis, comme vous avez pu l'entendre, apparemment il y a plusieurs skins sur le jeu Subway Surfer. Et du coup, je voudrais savoir il y en a combien exactement. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner et à m'écrire dans les commentaires. Et je mettrai un super like à toutes les personnes qui auront eu bon. Allez, C'est quoi un super like? c'est un cœur quoi de ma part. Ah mais moi Mais quand j'écris des Chase! commentaires tu me réponds pas. Si je réponds uniquement aux gens qui sont Ah abonnés bon et bah qui alors ont. c'est quoi mon pseudo? Bah toi c'est BetShorter504. Ah oui c'est vrai. Voilà, exactement. Chase! Viens Ouais? ici! Qu'est-ce qu'il y a? Bah c'est ici, il s'est fait capturer! Ah mais oui mais nous on est en train de se barrer en mode tranquille. Ouais, on est en train de Ici parler tranquille. il était en train de prendre des fleurs et tout, et puis là, monsieur, enfin, Jake, il est arrivé de là-bas, il l'a kidnappé, il est parti en courant. Ah oui, et récupérer des fleurs pour Stella, non, c'est ça? Oui, exactement. Ok, bon. Ah, c'est beau l'amour, hein. Bon, tu sais où est-ce qu'il aurait pu emmener Marcus ou pas, Enzo? Bah, qu'est-ce que j'en sais, moi? Bah, faudrait trouver un truc, enfin, je Dans sais pas. sa maison? Dans sa maison. Oui! Bah Jake, il a une maison, je sais pas moi. Mais il a une maison, mais Oui, on sait sa pas où maison. est-ce qu'elle est encore, sa base secrète, du coup, faudrait la retrouver, non? Bah, où il aime bien y être, il aime aller dans une Dans gare. la gare? À la gare? Ah bah Oh! ouais, parfois. Allez, on y va, go! Vous pensez C'est que pas la. là, c'est pas Vous par là-bas. pensez que C'est la par base là-bas. secrète de Jake est à la. Dans la gare? Ouais, Oui, peut-être. peut-être. Ouais, bon, bah, c'est ce qu'on verra. Allez, les amis, c'est parti. Partons à la recherche de la base secrète de Jake. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti, les amis. J'aurais préféré avoir un petit véhicule, puisque là, courir comme ça. Arrête de te plaindre. Ouais, bah, faut toujours se plaindre, non? Bah attends, je vais Si, t'aider, merci. je vais t'aider. Non, non, Oh, c'est. t'as Non! arrivé, c'est bon. Non, Je non, te c'est bon, pense, c'est je bon, te pense. aïe, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça va aller, merci, Du merci. coup, t'es content? Ouais, c'est lui là. Ouais, c'est lui. Ah, c'est bien lui! C'est lui. Et voilà, go. Oui. Alors, c'est lui. C'est très clairement lui. Ouais. Waouh. Ok, Allez, on rentre. mais juste une petite information, est-ce qu'il était en point exé? Non, il avait. Je sais pas, est-ce qu'il avait des. Attends. Il avait du sang sur lui et Non! tout, non? Non. Bah, si, Il en si, c'est avait pas. sûr, parce que le Jake normal, il est gentil. Voilà, on Ouais. a la maison. Ouais, Alors. je pense que t'as dû mal voir. Est-ce que toi, t'as vu le monsieur qui s'est fait capturer ou pas? Tu crois vraiment qu'il va te répondre alors que c'est un PNJ? Attends, j'essaie de l'imiter. Et toi, t'as vu? Non, il fait. Il fait exactement ça, ce malade. Attends, je vais l'aider. Ah non, tu t'en vas. Va-t'en. Bah si, c'est bon, laisse Attends. le sortir, il est content, il est libéré. Va-t'en, Bon. dégage. Dégage. Pas Allez, tombe. jamais. Dégage. Arrêtez, Tombe. arrêtez À avec le jamais. PNJ. Attends. Du coup, Chase et Enzo, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir essayer de trouver des indices ou je sais pas, même bah, la base secrète de Jake en fait. Et Voilà, toi, comme ça il sera. Bah, ça et passe toi, tu l'as secret, tout, vu? il aime bien être. Tu l'as vu? Allez, la plupart du Non. temps, je vois que Jake, il aime trop se balader vers ici,
Je me demanderais pas s'il y aurait pas quelque chose ici. Si on cliquait sur une de ces torches, peut-être que ce serait un faux levier. Oh, une plaque de pression. Oh, venez voir, il y a une plaque de pression. Je pense que ça risque d'ouvrir une porte. Attends, mais mets-toi ici. Ok, je regarde s'il y a une porte qui s'ouvre. Attends, reste ici. Attends, bouge non, pas. Non, il n'y a rien. Vérifie s'il n'y a pas une porte qui s'ouvre dans les aux alentours. Non, il y a un wagonnet, mais c'est tout. Bah, peut-être qu'il faudrait se mettre à plusieurs, faudrait beaucoup mais plus de poids. Ici. Non, non, ça marche pas comme ça, une plaque. Oh, ici aussi, il y a une deuxième plaque, attends. Vas-y, mets-toi ici, et toi, mets-toi de le côté. Peut-être mais il que... y en a trois, il y en a une autre là-bas. Ah, mais non, mais en fait, je crois que c'est juste la décoration, en fait. Bah oui, bah t'es trop bête, hein. Ouais, bon, je pensais être super intelligent, mais pas du tout, les amis. Et si on cliquait sur ces sur ces torches, peut-être qu'on trouverait quelque chose. Non. Oh, attends, ici il y a Jake. Est-ce que ça a un rapport? Où ça? Derrière, là. Ouais. Ici il y a un Jake qui a pas été enlevé. Ça peut peut-être dire un truc. Jake. Déjà, le J qui ressemble au logo TikTok, et ça me perturbe. Ouais. Ouais. Oh, est-ce que t'as vu un truc là? Attends, ça c'est bizarre qu'il y a ça. Bah, c'était débile ou quoi? Tu sais, c'est ces horaires du train, genre en mode il y a écrit à quelle heure ils passent les trains. Ah, pas faux. Ouais, donc c'était pas du tout ça. Oh, ou peut-être qu'on pourrait essayer de demander à Thomas le train, non? Peut-être qu'il aurait vu quelque chose, lui, non? Bah, ouais, peut-être. Ouais, salut, toi le moche, dis-moi, t'as vu un monsieur mourir? Non, j'ai pas jamais vu. Ah. Bon, bah, il a rien vu du tout. Bon, les amis, là, on n'est vraiment pas avancé. On a vraiment pas du tout avancé. Là, faut vite qu'on retourne avant qu'il lui fasse du mal. Où ça, il y a un doigt? Ouais, bah, mais ici. Là où tu étais, il y avait un doigt. Ouais. Oh, peut-être qu'ici, il y a une entrée, non? Non, c'est rien. Venez, casser ça. Vas-y, viens casser ça, Chase. Peut-être derrière les cellules, il y a quelque chose. Vas-y, casse. Ouais, non, il y a rien du tout par ici aussi. Bah, c'est bizarre car ici il y a beaucoup de doigts et c'est bizarre. Où ça? Là il y a un doigt, là il y a un doigt, il s'implante toujours vers là, mais il y a rien. Attends. Il y a pas de porte secrète qui s'ouvre, c'est bizarre. Ça veut forcément dire quelque chose. Oh, attends. Ça, hein. Enzo? 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 Il y a un truc insane là-dedans, viens. Quoi, mais attends, mais t'es tombé dans un trou là, non? Oui, mais viens voir, il y a. Oh, oula, oh, qu'est-ce qu'il y a? Oula. Bon, les amis, je sais pas du tout ce qui se passe en bas, mais je pense qu'il va falloir que je saute. Et peut-être que c'est la base secrète de Jake, j'en ai aucune idée, mais allons-y. Oula, Chase? Chase, où est-ce qu'il est parti, les amis? Ouais, Chase? Bon, bah, je crois qu'il nous a abandonnés. Bon, bah, c'est pas grave, allez, c'est parti, on saute à l'intérieur, let's go! Mais pourquoi il y a du sang là? On est où là? Pourquoi il y a des squelettes? Pourquoi il y a un squelette vivant là-bas? Oh mais c'est quoi cette salle ultra cringe? Regarde les amis! Tais-toi, chut! Regarde! Qu'est-ce qu'il y a? Là-bas, il y a quoi? Attendez. Mais ça serait il pas... enferme un villageois? Mais ce serait pas Jake? Chut, tais-toi! Je crois que c'est Jake! Et on est dans. On est dans la passe secrète de Jake, on l'a retrouvé! Bon, on l'avait déjà trouvé, mais on l'a jamais trouvé. Ben non, on l'avait jamais trouvé. Regarde, là, on l'a trouvé, on est dans la base secrète de Jake, incroyable, non? Ah, mais t'es content, c'est bien. On fait quoi? On remonte? On remonte comment? Car moi, avec ma cape, je peux pas remonter. Regarde. Enzo. J'arrive pas. On est venu pour une mission, c'est sauver Marcus, donc j'espère que tu l'as pas oublié. Bah, il est où? Bah, je sais pas, on va aller demander directement à Jake. Allez, c'est parti. Mais t'es malade, toi, dans ta tête, t'as fumé un joint. Mais oui, c'est quoi tous ces trains? Jake? Attends. Il est occupé, on doit pas le déranger. Alors, arrêtez de me déranger là, quand vous jouez, attends. Il me dit attends comme s'il attendait des visiteurs, il est complètement débile. Bah oui. Comment ça j'ai des visiteurs moi? Et toi, qu'est-ce que tu fais sur mon PC toi? Ton gros crâne de cheval. Jake, on a trouvé ta base secrète. Eh ben moi j'ai trouvé ton cœur, allez hop là pistolet. Oula, non, ça va aller, c'est bon. Non, aïe, c'est bon. Ah là, baisse la tête quand tu me parles, baisse la tête. Attends, voilà. Du coup, tu peux nous faire un petit tour de ta base, étant donné qu'on l'a trouvée. Mais qu'est-ce que vous faites ici en fait? Comment vous avez trouvé ma base? On l'a trouvée, t'inquiète pas, c'est parce qu'on est des boss, mec. Tu sais que mon gun aussi c'est le boss. Oula, non, c'est pas le boss, tu peux le ranger, t'inquiète. Non, mais dis-moi comment tu l'as trouvé du coup. Bah, en fait, c'est Enzo, c'est grâce à Enzo, ouais, c'est Enzo, vas-y Enzo, explique-toi. De quoi moi?
Bah explique-toi, c'est toi qui as trouvé la base. Alors, bah moi j'étais dans la gare. Ce monsieur là devant, il voulait trouver. On est allé voir un copain. Il nous a dit qu'il voulait retrouver son copain qui a été capturé par toi. Ouais, d'ailleurs, Marcus. Marcus, c'est quoi ça? C'est une marque? Non. Allez, c'est parti les amis. On part à la recherche de Marcus. C'est une Marquitus. Bon, ça c'était pas drôle. Allez. Arrête de chercher. Oh, bah alors, dis-nous, et où est-ce qu'il est, Marcus? Marcus, bah il est quelque part, je vous dirai pas il est. Mais pourquoi il est par terre lui? Attends mais pourquoi? C'est une statue, je m'entraîne à prendre des petites en la lettre qui va le tuer, Oula, alors je crois que en fait ça, Enzo, tu te rappelles quand il s'était vengé du policier? C'est nous ça. Tais-toi, dis rien, de toute façon c'est leur problème. Si tous les deux eux ils sont en guerre, bah nous on va pas se mêler de leur guerre, tu vois. Oui mais moi je remonte à la surface moi. Ouais bah moi aussi mais avant tout faut trouver Marcus d'abord. Ok, bye. C'est grenade dans la tête. Ouais stop, calme-toi. Oh là là. Ah, je te mets. Il est complètement fou Jake.exe hein. Dis-moi Jake, à qui appartiennent tous ces corps là? Les gens qui sont pas abonnés à ta chaîne. Salut toi, ça va? Et du coup, pour pas qu'ils deviennent comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'ils s'abonnent à la chaîne. Ouais, les amis, vous avez entendu. Et également, activer la cloche des notifications. Salut toi, et ça va? Toi, t'as l'air vivant, toi, donc ça va? C'est vrai que c'est un squelette vivant, je trouve. Il bouge là. Oh, regardez, il bouge! Ça va? Pourquoi il me guette comme ça? Eh, tu veux notre copain? Non mais c'est Bernard, c'est le squelette de la ville. Pars toi, retourne-toi là, cochon. D'accord, ok. Ouais, Bernardo. Ensuite, là t'as ton PC pour développer ton jeu. Ici. Ouais, voilà. Ici, tu... vieux PC, c'est Gaspacho, hein. C'est Gaspacho. Ici, tu captures les gens pour les torturer, j'imagine? Ouais, Gaspacho. Ouais, voilà, j'en doute pas. Et ici... Ah mais tu captures également les trains. Ah oui, bien sûr, tout le monde y passe. Ouais, bon, tu peux capturer qui tu veux, mais nous, on veut juste retrouver Marcus. Où est-ce qu'il est, s'il te plaît? Mais non, ça va pas arriver, ça. On va faire une petite visite guidée, c'est mieux, non? Non. Alors, non, tu vas me suivre tout de suite, c'est moi qui décide. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ici, nous avons le petit setup ultra gaming de la chaîne. On a besoin d'une carte pour ouvrir la porte là-bas. On a besoin d'une carte, mais chut, faut rien dire. Ouais. Oui, monsieur, oui, on vous écoute. Enzo, ce que tu fais, c'est que tu fais genre d'écouter sa visite guidée. Et moi, pendant ce temps-là, je cherche la carte, ok? Vas-y. Okay. Du coup, votre jeu, il marche super bien, apparemment. Hein. Ouais. Ok, nickel, ça marche. Bon, vous les amis, pendant que Enzo fait diversion, on va essayer de retrouver cette carte, les amis. Et peut-être que Marcus est coincé à l'intérieur. Je sais pas, mais je pense qu'il doit sûrement être à l'intérieur. Bon, et si on voit c'est ici... C'est intéressant, dis donc. Hein. Wow. Pas du tout de coffre de ce côté. Est-ce que ce serait pas en dessous d'un squelette? Non plus. Est-ce qu'il serait pas en dessous de la table? Non plus. Bon, je pense pas que c'est lui qui doit la voir. Est-ce que la carte ne serait pas ici par hasard? Attendez. Peut-être en dessous de Thomas le train? Non, rien du tout. Peut-être en dessous du policier, on va essayer de voir dans son guide. Non, il y a rien du tout. Regardez les amis, on a à l'intérieur du ventre de du policier, mais non, on trouve également rien du tout. Et est-ce que... Ah oui, la surface programming du HTML, pour un bon script HTML, mais bon, faut du coup, comment on fait pour développer, pour mettre le mode avec les pièces, comment on fait pour développer les pièces? Ah, mais ça, c'est simple, ça, en gros, faut aller sur certains logiciels qui peuvent te permettre de créer, et tu crées d'abord le 3D du truc, ouais, bon, et après, t'appelles un mec qui peut faire déjà 3D qui est payé 3€. Bon, les amis, ce qui va se passer, c'est que je vais essayer de demander à ce villageois, et... Oh, attendez, les amis, ce villageois, si je lui ramène des rails... J'aurai des émeraudes. Bah d'accord, vous savez quoi, je vais récupérer des rails. Donc là, si je lui passe un rail, voilà, donc je lui passe... Ah non, ok. Alors, faut que je fasse ça, je crois. Ok, là, je récupère le émeraude. Et avec l'émeraude, je peux faire quoi? Attendez, on va voir le squelette. Le squelette... Oh, mais regardez, la carte, elle est ici. Et pour avoir... Ok, bon, pour avoir la carte, il me faut une tête de squelette. Une tête de squelette. Comment je peux récupérer ça? J'ai pas du tout d'âge pour récupérer cette tête. Faudrait que j'essaie de trouver une solution. Peut-être qu'avec ce PC j'aurais peut-être une idée. Alors les amis, là si je pose, si j'ai bien compris,
Oh, mais si je pose 8 émeraudes, je peux récupérer une tête de squelette, et je pourrais enfin avoir la carte, et je pourrais libérer Marcus. Ok les amis, je sais ce que je dois faire. Je dois récupérer encore 7 rails, et normalement j'aurai... Et pour les trains, on les configure comment, dis-moi? Ok, hop, c'est parti. Du coup, aussi, les trains, tu crées tes propres modèles 3D. Donc t'appelles encore une fois le mec qui s'appelle Chanda, qui te paye, qui est payé 3 euros pour faire ça, hein. Oula. Oui, 3 euros le modèle, j'imagine. Ok, c'est hein. Bon. Je récupère ensuite... oula, j'ai oublié de les échanger en émeraudes. Donc on va récupérer des émeraudes. Allez, c'est parti, on en récupère un maximum. Allez, il manque plus que le dernier. Ok, parfait. On a les 8 émeraudes. Et à présent, les amis, je vais pouvoir récupérer... alors, je pense qu'il faut que je passe là. Ok, nickel. J'ai réussi à avoir ma petite tête. Et à présent, je peux récupérer ma carte. Super. Et on va voir si Marcus est à l'intérieur. Hop, let's go. Et... alors, toujours pas. Je crois qu'il va falloir que je rentre à l'intérieur. Mais comment je peux rentrer à l'intérieur, les amis? Il va falloir que je trouve une pioche, les amis. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit coffre caché? Donc là, pour l'instant, je ne vois rien du tout. Ah! Attendez, what? C'est quoi ce bloc caché? Et dans ce bloc caché, on a une pioche, nickel. Ok, donc là, si je casse ça, je peux rentrer à l'intérieur. Et on est face à un ascenseur, je crois, si je me trompe pas. Donc là, je monte en haut. Et en haut, qu'est-ce qu'il y a? En haut... il y a Marcus, les amis, Marcus, il est là. Regardez, Marcus, il est là, il est juste là. Allez, c'est parti, on va les libérer. Okay. Oh, j'arrive, Marcus, j'arrive. Hop, je viens te libérer, t'inquiète pas. Hop. Allez, merci, cheat. Ouais, t'inquiète pas, vas-y. Ok, il est avec moi. Ok, je l'ai récupéré, les amis. Ouais, du coup, alors, petit... Et après, t'as payé, du coup, après, on paye 200 balles pour tous les trains, après, j'imagine. Ouais, exactement. Et maintenant, on essaye la pratique, c'est parti. Bon, les amis, je vais descendre tout de suite. Hop, je descends tout de suite. On va aller rejoindre. Ok. Ok. Je suis de retour. Alors, du coup, on est pas pour de vrai, ils nous écoutaient de loin, mais t'inquiète. Enzo, du coup, on peut se tailler parce que j'ai trop retrouvé Marcus. Oh, mais moi je l'aimais bien, lui, Jake. Moi, je commençais à prendre l'amitié avec lui. Mais y a pas d'amitié, lui, il risque de te tuer, même que tu sois ami ou pas. Mais il m'a appris à comment coder un jeu. Mais on s'en fout, allez, faut qu'on se taille vite ici. Bon, attendez, je vous mets des échelles pour vous casser, hein. Donc vous oubliez ce que vous avez vu, sinon je vous tue, c'est compris. Oui, t'inquiète pas, on se taille et on n'a rien vu, voilà. Hop là, je casse les échelles, bon, les amis, c'est parti, on a réussi à sauver Marcus. Moi, je m'en vais.